Les bureaux complètement rénovés d'AG Insurance à Charleroi viennent d'être inaugurés. Les aménagements et les facilités reflètent parfaitement la politique HR de l'assureur. Dans ce cadre, un bon équilibre vie privée-vie professionnelle joue un rôle essentiel. L'ancrage local d'AG Insurance est l'un des nombreux atouts de l'entreprise. Plus de 1000 employés occupent les sites de Charleroi et d'Anvers, ou l'un des 7 centres commerciaux régionaux. Il y a quelques mois, nous avons renforcé de manière importante notre présence régionale, puisque nous sommes passés de 320 à 430 collaborateurs, soit une augmentation de près de 30% en à peine 18 mois. Ce renforcement, je dirais, au niveau de la présence régionale, nous a permis d'augmenter, je dirais, la taille de nos équipes, ce qui nous permet d'être plus efficaces, plus proactifs, mais aussi plus disponibles, et surtout de mieux gérer les situations que j'appellerais les situations de crise, notamment dans le cas de sinistres importants, nombreux, soit dans le cas d'une inondation ou de tempête d'une certaine importance. Mais le bien-être va bien au-delà du seul fait de pouvoir travailler dans sa région. Pour favoriser l'équilibre entre travail et vie privée, AG Insurance a ouvert une conciergerie à Charleroi. Pour moi, la valeur ajoutée d'une conciergerie est considérable parce que nous pouvons acheter des biens et des services ici tous les jours. Et donc ce soir, par exemple, je vais aller acheter un pain. Je ne devrais donc pas, en quittant le travail, trouver encore une boulangerie ouverte pour avoir un pain, par exemple. Donc c'est la même chose avec une bouteille de vin, c'est la même chose avec un bouquet de fleurs. Donc voilà, c'est quand même important dans l'organisation de la journée. Le concept est très simple. On a demandé à des commerçants locaux de fournir des produits, des services. Et donc tout ceci est organisé par AG, mais avec comme sous-traitant des fournisseurs locaux. La santé des collaborateurs occupe également une place de choix dans la politique HR. Raison pour laquelle le bâtiment de Charleroi est désormais doté de son propre espace de santé. Je l'utilise deux fois par semaine, au minimum. Donc je viens une fois au cours collectif de spinning avec un coach, en équipe avec quelques collègues. Et puis alors je viens un autre jour dans la semaine, suivant mes jours de congé, mon emploi du temps. Et là je viens faire un petit peu de fitness, de cardio, avec toujours un coach qui est présent à certaines heures et qui est là pour donner des conseils. C'est plutôt une salle de mise en forme, donc il ne faut pas être un grand sportif. D'ailleurs, nous avons des coachs qui expliquent comment on peut faire du sport, quel que soit l'âge, quel que soit le poids, quelle que soit la taille. Il y a des cours qui sont donnés en dehors des heures de travail. Les personnes peuvent s'inscrire au cours ou bien faire du sport individuel. Le but est d'être bien dans sa peau pour être bien dans sa tête. Le site de Charleroi a fait fonction de projet pilote. Au vu des résultats positifs, le site d'Anvers sera très bientôt lui aussi pourvu des mêmes facilités. Tous les ans, on fait une enquête pour connaître le degré de satisfaction du personnel par rapport à ce que fournit l'entreprise et pour connaître les souhaits de notre personnel. Et on essaye de les résoudre au fur et à mesure que le temps passe, de manière à avoir un personnel qui travaille bien, mais aussi qui est heureux de travailler chez nous.